Bienvenue chez Jodress Farming, ici nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut tout le monde, là c'est Jodress Farming, promoteur de la chaîne Jodress Farming. Alors dans cette vidéo, je me fais le plaisir de vous donner 3 qualités d'herbe très très consommées par le lapin. Je vais donner 3 herbes et je vais en redonner le bonus. Qui va faire 4 herbes. Je vais donner le bonus, les gars. 4 herbes très très consommées par les lapins. Ok. Alors, ici, nous allons passer chez les cordes de patates. Les cordes de patates. Voici ce qu'on appelle les cordes de patates. Voici ce qu'on appelle les cordes de patates, les gars. Les cordes de patates. Regardez comment les lapins sont en train de manger ça. Regardez comment ils sont en train de manger. Oh là là, les pattes de lapin. Oh là là, les pattes de lapin. Alors, je veux vous donner des astuces avec le... Bon, je vais vous donner des herbes avec leur rôle dans les pattes de lapin. Comme je vous ai déjà présenté les cordes de patates. Les cordes de patates sont plus utilisées chez les lapines gestantes pour simuler le lait. Donc quand ils vont mettre bas, ils vont avoir beaucoup de lait pour nourrir la peau. Ok. Et la corde de patate est aussi un peu riche en protéines. C'est un peu riche en protéines aussi. Et très riche en énergie surtout. Et nous allons prendre ici l'herbe à lapin. L'herbe à lapin. Et nous appelons ça ici au Cameroun herbe à lapin. Herbe à lapin. L'herbe à lapin est utilisée. L'herbe à lapin est utilisée comme source de protéines chez les lapins. C'est une source de protéines. Ça contient beaucoup de protéines que les lapins aiment ça pour grandir. Les lapins utilisent les protéines pour grandir. Les lapins utilisent les protéines pour grandir. Donc, nous avons l'herbe à lapin. Ouais, on peut le constater. Les lapins raffolent ça très mal. Ouais. Et ici, nous avons les feuilles de palmier. Les feuilles de palmier. Les feuilles de palmier qu'on peut le voir ici là. Regardez les feuilles de palmier. Ouais, les lapins mangent ça. Les lapins mangent ça. C'est très bien pour les lapins même. Puisque ça détresse les lapins. Ça détresse les lapins. Surtout les lapins qui sont vers le sévrage. Quand on vient à sévrer, les lapins sont stressés. Quand vous donnez les feuilles. Quand vous donnez ces feuilles de palmier là, ça va réduire le stress dans eux. Ça va réduire le stress dans eux. Comme je vous ai donné 3 astuces, le dernier. Ce serait le bonus, comme je vous ai dit. Nous allons parler des feuilles de bananier. Les feuilles de bananier sont très très riches en énergie, les gars. Très riches en énergie. Il est très bien vrai que c'est pauvre en protéines, mais c'est riche en énergie. Et si c'est riche en énergie, nous allons l'utiliser dans notre élevage. Puisque j'ai fait une vidéo sur l'alimentation du lapin, où les besoins du lapin, c'était nous avons l'énergie, protéines et lipides, les besoins en eau et besoins en lipides. Voilà les 5 besoins du lapin. J'avais fait une vidéo où je donnais les sources de tous ces éléments-là. J'ai mis toutes ces sources-là dans l'alimentation du lapin. Allez regarder les anciennes vidéos, les gars. Les anciennes vidéos sont très très importantes. Ensemble.